Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine. Le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicky, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fière, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Bonne écoute! Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicky, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration, bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Alors aujourd'hui est un épisode spécial, un épisode où nous allons parler mouvement et alignement. Un épisode où je vais vous livrer où j'en suis personnellement, dans mon chemin d'évolution et de croissance. En tant que coach, je vous accompagne depuis plusieurs années, à travers mes ressources et mes programmes, à vous créer la vie extraordinaire à laquelle vous aspirez profondément. Une vie où vous avez compris que c'est vous qui payez le prix de vos râleries. Une vie où vous avez appris à vous sevrer de l'habitude de râler et vous parvenez désormais à n'être victime de rien ni de personne. Une vie que vous prenez en main. Une vie alignée avec vos aspirations profondes. Se sentir aligné, c'est aligner son cœur, son corps et son cerveau. C'est aligner nos actions avec ce qui nous fait vibrer. C'est ressentir dans nos tripes quelle est la place que nous voulons prendre dans notre vie. Le podcast Wake Up, Rise Up and Shine est né de cet alignement. Pendant la crise du Covid, alors que tout le monde prenait peur, j'ai ressenti le besoin au plus profond de mon être de vous proposer des ressources pour rester inspiré et garder le cœur ouvert. J'ai décidé d'appeler le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. À travers les épisodes, j'avais le désir de vous aider à rester ancré dans une période de grande incertitude et de turbulence. Je voulais vous donner de l'inspiration, mais aussi des actions concrètes, pour ne plus laisser les inquiétudes vous paralyser, pour vous permettre de rester en mouvement. Et pendant le confinement, je me suis moi-même mise en mouvement, à travers la création du podcast, mais aussi à travers l'accouchement de mon premier programme exclusivement dédié aux femmes, La Voix d'Athéna. En effet, j'avais la conviction profonde que je devais aider les femmes à prendre leur place dans ce monde, que je devais les inspirer à rayonner qui elles sont pleinement, sans retenue ni délai. La conviction que les femmes sont aujourd'hui amenées à inspirer les hommes en connectant à leur sagesse, leurs intuitions, leur puissance et leur vulnérabilité. Dans l'épisode 20 de Wake Up, Rise Up and Shine, j'adressais d'ailleurs un message d'amour aux femmes que je vous invite à écouter ou à réécouter. À travers les différents épisodes, ces 18 derniers mois, j'ai reçu de nombreux invités, dont Thomas Dansembourg, le docteur Daniel Fomenbaum, Christian Junot, Olivier Clerc, Lily Barbery, Julien Perron, Isa Padovani, Ilios Kotsou, Olivier Roland, Camille Sfez ou Esther Schmitt et tout plein d'autres personnes merveilleuses. Et ensemble, nous avons parlé développement personnel, bien-être, santé, famille, travail, ambition, argent, couple et sexualité. À travers ces 60 épisodes, je me suis rendu compte que certaines conversations me passionnaient tout particulièrement, qu'elles venaient résonner au fond de moi avec une intensité unique. En préparant les épisodes, je perdais la notion du temps qui passe. Lorsque j'échangeais avec mes invités, je sentais mon cœur battre, mes poils se dresser, ma gorge s'ouvrir. J'étais complètement alignée avec ce que je me sentais appelée à transmettre au monde entier.
En plus des thématiques autour de mes best-sellers, J'arrête de râler et Wake Up, que je continue à transmettre avec passion et détermination dans mes conférences et ateliers en entreprise et dans mes séminaires pour les particuliers, je me suis sentie habitée d'un nouveau sujet, d'une nouvelle mission qui m'appelait. Une mission que j'avais déjà entamée, mais que je voulais pousser plus loin, beaucoup plus loin. Une mission qui concerne le féminin. Aujourd'hui, je me sens appelée à accompagner les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Une vie loin des dictats de la société. Une vie où les femmes arrêtent de fonctionner comme des hommes. Une vie où elles sont connectées à leur super pouvoir. Une vie où elles peuvent s'exprimer pleinement sans s'épuiser. Une vie dans laquelle elles se sentent libres de dire ce qu'elles ont envie de dire, de faire ce qu'elles ont envie de faire, d'être ce qu'elles ont envie d'être. Une vie où les femmes honorent leurs limites et leurs désirs. Une vie où le féminin rayonne. Une vie où le féminin influence l'avenir de l'humanité. Alors c'est avec beaucoup de joie et d'excitation que je vous annonce donc que je souhaite dédier ce podcast au féminin. Le podcast s'appellera toujours « Wake up, rise up and shine », mais la tagline change. Elle sera désormais « Le podcast pour accompagner les femmes à vivre leur vie radicalement libre et choisie ». Je ne vous cache pas que vous êtes nombreuses à m'écouter et à me suivre, et aujourd'hui j'ai à cœur de m'adresser à vous, ces femmes ambitieuses qui veulent tout dans leur vie mais qui n'ont plus envie de se sacrifier. Des femmes qui veulent apprendre à se mettre au cœur de leur vie. Des femmes qui veulent oser développer leurs projets qui leur tiennent à cœur et qui cherchent des outils et de l'inspiration pour y parvenir. Des femmes qui veulent s'épanouir, oser être visibles, oser prendre pleinement leur place dans ce monde, tout en s'amusant. Des femmes qui veulent s'honorer et construire la vie à laquelle elles aspirent vraiment. Alors à travers les prochains épisodes de Wake Up, Rise Up and Shine, j'aurai à cœur de vous aider à faire la paix avec votre corps et vous apprendre à vous aimer à un tout autre niveau. À vivre une relation aux autres sereine et joyeuse. À avoir un métier qui vous fait kiffer. Des finances dont vous pouvez être fière. Du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser. Et une sexualité délicieuse et libérée. Alors dans cet esprit du féminin, je suis tout particulièrement adepte de la sororité. Alors si vous avez une amie ou une sœur que vous portez dans votre cœur et que vous souhaitez également aider à vivre une vie radicalement libre et choisie, invitez-la à écouter le podcast « Wake up, rise up and shine ». Je vous invite également à m'écrire à l'email contact@christinelevicky.com pour partager avec moi les sujets que vous souhaitez que nous abordions dans ce podcast. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.